monsieur qui va remettre les tours à Franck, et prier de montrer le confirmation.
Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bienvenue en ce jour de fête dans notre, dans votre cathédrale de la Résurrection, en ce dimanche après-midi. Nous vivons cette célébration en ce temps de la création pour remercier le Seigneur d'avoir créé notre planète pour qu'elle soit une maison pour tout le monde, pour qu'elle donne naissance à une diversité d'êtres vivants qui remplissent les sols, les eaux et les airs. Chacun de nous fait partie de cette création. Chacun de nous est appelé à la nourrir et à prendre soin des autres depuis sa place dans la toile de la vie. Et puis nous vivons cette célébration dominicale où l'un d'entre nous va devenir prêtre par l'imposition des mains et le don de l'Esprit-Saint. Avec tous ceux de notre Église diocésaine qui sont en communion avec nous dans la prière, entrons dans cette célébration et une fois encore laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Franck. Monseigneur, la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Franck et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? C'est le père Sylvain Compagne du séminaire d'Orléans qui va en témoigner. Père, c'est de grand peur que j'ai accepté de présenter Franck aujourd'hui. Franck a eu un parcours de formation en vue du ministère de prêtre étendu sur 9 années, dont une année de stage. Une 5e année en 2 phases, avec des horaires adaptés et des suivis spécifiques. Au long de ces années, et en tous ces compartiments, Franck a fait montre d'une docilité progressive, à partir de dialogues constants, patients, nourri. C'est alors qu'il est parvenu, au fil des ans, à s'approprier et à assumer, dans une liberté certaine, les étapes échelonnées de la formation qui lui a été proposée. Dit autrement, Franck a fait preuve de sens de l'effort et de courage, non sans peine, pour faire face à des limites, à des fragilités, il y a des épreuves tant intellectuelles qu'humaines. Tout simplement, Franck a été courageux, persévérant. Sans doute, comme il est sportif, il a dû mettre à contribution la mentalité d'un sportif qui n'acquitte pas facilement. D'autre part, il lui fallait aussi grandir en confiance. Confiance en ses formateurs, confiance en l'autorité, confiance en lui-même. Chemin qu'il a bien entrepris grâce aux reprises, aux relectures et aux explications complémentaires des différents protagonistes de sa formation. Qu'il s'agisse des membres du conseil du séminaire, du délégué diocésain à la formation au ministère, que d'un curé d'insertion pastorale. Il résulte qu'aujourd'hui, Franck est davantage posé, mesuré et se ressaisit facilement. Cela dit, il aura toujours besoin de frères prêtres qui l'encouragent dans l'affermissement de cette croissance.
La personnalité de Franck, qui peut paraître atypique, est appréciée pour sa générosité, sa serviabilité, son écoute des personnes, son attention aux pauvres et aux personnes éloignées de l'Église. Il a de la considération pour tous et se révèle capable de faire avec tous. Franck est bien bien. Au plan pastoral, Franck s'est montré motivé et régulier dans ses insertions, notamment à Longpont, Étampes et Dourdan. Même au plus fort de la pandémie, il n'a cessé de se rendre disponible, de maintenir et même accroître la communication avec les autres agents pastoraux, que ceci soit clair ou laïque. Son élan missionnaire est réel. Son souci de la mission est authentique. Sur le plan spirituel, sa démarche en vue du ministère presbytéral s'est voulue intériorisée. Une demande d'ordination faite dans la prière, avec une liberté intérieure. Dans la vie communautaire quotidienne, il nous a laissé percevoir qu'il est un homme qui se laisse reprendre et travailler par l'Évangile, qu'il accorde de l'importance à l'être avec le Christ, avec Dieu, qu'il grandit en docilité à l'Esprit Saint. Père, le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Franck a été jugé digne d'être ordonné prêtre pour le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonne. Cher Père, Monsieur le Supérieur, cher Laurent, merci. Merci pour votre travail, parce que c'est un travail d'accompagner, de former, de discerner la vocation d'un frère dans la foi. Que ça soit aussi l'occasion pour vous redire ma confiance et la confiance dans le séminaire d'Orléans. Et puis transmettre ce merci à l'ensemble de l'équipe des pères. Franck, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres et nous chantons.
as donné ton Fils au monde comme prêtre de ton alliance avec l'humanité pour la sanctifier et l'offrir à ta gloire. Accorde à Franck, qui l'a choisi comme serviteur et intendant de ses mystères, de travailler fidèlement à la construction de son corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah, Seigneur, mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Puis, le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Paroles du Seigneur. Thank you.
Lecture de la première lettre de saint Pierre, apôtre. Quant aux anciens, en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, cher frère Franck,
La première lecture nous a rappelé que nous ne sommes pas nés du hasard. Je ne crois pas que notre vie est insensée, sans orientation. Notre liberté, cette liberté à laquelle nous accordons tant d'importance et qui parfois nous fait peur, notre liberté est de savoir que nous sommes appelés à vivre, que nous comptons pour le Seigneur, que nous sommes aimés et appelés à coopérer à un projet qui nous dépasse, mais qui en même temps donne de la saveur, du sens et de l'importance à chacune de nos vies. La vraie question à laquelle les prophètes d'hier, les disciples d'hier et d'aujourd'hui ont été confrontés n'est pas « Est-ce que moi je suis appelé par le Seigneur ?» Mais, puisque le Seigneur m'aime et compte sur moi, qu'est-ce que je suis appelé à vivre de cette vie reçue? Franck, qui s'est levé tout à l'heure en disant « Me voici », n'est pas un extraterrestre. Et si vous avez lu sa présentation écrite ou si vous avez vu sa vidéo d'interview, vous avez pu vous en apercevoir. Et vous, les plus jeunes, il a eu votre âge avant d'avoir le monde. Il est de la même Pâque même que chacun d'entre nous. Celle de Jérémie, celle de Pierre, celle des disciples, celle de Paul. Il vit la même aventure de la foi que nous, la même aventure de ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi et dont nous allons dans quelques instants demander de prier pour nous. Ne dis pas « je suis un enfant », s'entend dire le prophète Jérémie. Les Écritures soulignent souvent les réticences à répondre à un appel du Seigneur, à trouver les excuses pour ne pas y aller. Je ne sais pas parler, je ne suis pas à la hauteur, envoie donc quelqu'un d'autre. La tâche est trop lourde, démesurée, puisqu'elle est à la mesure du projet de Dieu par rapport à ce que nous sommes. Et puis, il y a tant de raisons de craindre, il y a tant de freins en nous, dans nos familles, dans l'Église. Et puis il y a aussi le soutien de ceux qui s'y sont engagés avant toi, Franck, et qui ont abusé d'enfants, qui ont exercé une autorité et un pouvoir qui n'était pas pour rendre auteur. Ils n'étaient pas au service de la vocation des autres, mais ils dominaient, ils abusaient. Oui, bien des craintes, bien des soupçons existent. Franck, chemin faisant, tu as pu éprouver certaines de ces réticences. Mais aujourd'hui, Franck, tu n'es plus un enfant. 9 ans de formation. Je suppose, Franck, que tu n'es pas mécontent d'avoir quitté le séminaire. Même si tu vas poursuivre, tout en exerçant ton ministère, tel ou tel cours à l'Institut catholique de Paris. Pour prendre une telle décision qui engage radicalement ta vie d'homme, comme tu viens de le faire, et comme tu vas le faire en me répondant tout à l'heure, du temps est absolument nécessaire. Tant de discernement, tant de maturation, tant de vérification, tant de formation et d'apprentissage, de la liberté pour se libérer, pour être libéré de certaines attaches qui empêchent d'avancer. Car avouons-le, à moins de nous faire beaucoup d'illusions sur nous-mêmes, il est difficile, tout en choisissant le Christ, de ne pas conserver secrètement un attachement à des choses qui nous tiennent à cœur. Le calice qui a appartenu à un prêtre et que le diocèse te donne n'est pas neuf, puisqu'il a déjà servi. Il a quelques imperfections. En voyant la photo que je t'ai envoyée de ce calice, tu m'as répondu « Il est magnifique, simple
et le défaut est ton corps. Il a des défauts comme moi. Oui, nous vivons tous notre réponse et l'engagement de nos vies à cause de ce trésor qu'est l'Évangile, qu'est le Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, afin qu'il soit bien clair que cette puissance ne vient pas de nous, mais de lui, le Seigneur de nos vies. En écho à cette parole de Paul que je viens d'évoquer, tu t'engages en proclamant « Je le veux ». Je le veux avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. J'aime cette parole de Charles Péguy sur la grâce et sur ceux qui se ferment à la grâce. Voilà ce qu'il dit. Parce qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de prix. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé. Et celui qui n'est pas sale ne sera pas essuyé. Fin de citation. C'est bien pour cela. Parce que tu t'engages avec ta volonté, tes forces, mais aussi avec la grâce de Dieu. C'est bien pour cela qu'ayant goûté la grâce de Dieu, que tu deviens aussi, par ordination, serviteur du don de Dieu, et du don par-delà le premier, du pardon de Dieu. Les textes ont aussi souligné la dimension pastorale du ministère que tu reçois, avec l'image des pasteurs et du troupeau. Comme toute image, une image parle et elle a aussi ses limites. Si la figure du pasteur est valorisante et on insiste sur les qualités requises, elle comporte le risque de considérer les pasteurs à l'extérieur du troupeau. Or, les prêtres que nous sommes, les pasteurs que nous sommes, ne sont pas à côté ou au-dessus, mais ils sont membres de l'unique peuple de Dieu, de l'unique troupeau du Seigneur, où tous ont une égale dignité. L'image du troupeau, des brebis ou moutons, l'est parfois moins. Ah, être la brebis perdue, le fils perdu, qui est cherché, attendu, qui n'est pas oublié ou abandonné, nous parle de l'amour unique que le Seigneur nous porte, de l'amour de l'unique pasteur et du Père. Mais qui d'entre nous a envie d'être un mouton mêlant ou un mouton panurge? Vous savez, ces moutons qui suivent bêtement le comportement des autres sans se poser de questions. L'image du troupeau de Dieu. L'image du troupeau de Dieu, c'est une manière de parler du peuple de Dieu, invité à marcher ensemble et dans l'unité. Oh, l'unité et la communion, pas toujours facile et jamais totalement acquise. Car bien des facteurs venant de notre cœur, mais aussi de notre éducation, de nos appartenances sociales ou ethniques, peuvent nous tenir indifférents, étrangers ou en conflit. Dans la cité, mais aussi dans nos communautés chrétiennes. Prêtre, tu deviens plus particulièrement serviteur de l'unité du peuple de Dieu, qui peut toujours se disperser en clan et en chapelle et perdre le sens d'appartenir au saint peuple de Dieu. Tu deviens ministre, serviteur avec d'autres de la communauté. Tu le seras en reconnaissant la diversité des vocations, la diversité des services, la diversité des charismes et des talents et des ministères qui constituent le peuple de Dieu, le corps de Christ, le temple de l'Esprit. Tu donneras un visage au mystère de pasteur que tu reçois
en étant de ces hommes qui ne craignent pas de sentir l'odeur du troupeau. Parce que tu en es. Et parce que tu t'approches, tu n'as pas peur d'être proche. Tu n'as pas peur d'être marqué, touché par la vie des hommes et des femmes auxquels tu es envoyé. Auprès d'eux, avec eux, tu dois annoncer, prêcher l'amour, prêcher la proximité du Seigneur à tous, mais surtout en vivre, en te comportant à leur égard, de telle manière qu'ils sentent et qu'ils découvrent, dans la fragilité de leur vie, qu'il y a en eux quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand, et quelque chose de plus noble que ce qu'ils pensaient. C'est cela, les mères. C'est cela, prendre soin d'eux. Tu ne peux pas le vivre seul. Tu le vis dans un peuple. Tu le vis avec d'autres frères, en particulier tes frères prêtres au sein d'un presbytérium. Tu le vis au sein d'un peuple où tous ont à prendre soin les uns des autres, comme nous y invite le synode dans lequel nous sommes engagés. Tu seras aussi pasteur en nourrissant, en conduisant aux sources vives. Les anciens appelaient la messe le sacrement de l'unité, car le Christ fait de nous ses frères et sœurs par sa parole engagée, par les liens d'alliance en son sang, en sa vie donnée et livrée. Car l'autre, celui qui est assis à côté de moi, devant moi ou derrière moi, l'autre est mon frère ou ma sœur, tout simplement parce que ce que le Christ a fait pour lui, il l'a fait aussi pour nous. Voilà la source de notre fraternité. Et comme dans les familles, vous le savez, les amis, on les choisit. Les frères et sœurs, on ne les choisit pas. On les reçoit. L'Eucharistie nous apprend à nous recevoir comme frères et sœurs parce que le Christ lui-même n'a pas craint de nous appeler ses frères. Tu l'as compris, Franck. Je ne t'envoie pas au milieu des hommes pour être le berger de tes brebis, mais je t'envoie pour prendre soin des brebis du Seigneur, dont tu es. Celles qui sont dans nos communautés, comme celles qui n'y sont pas. Enfin, à cause de l'Évangile, je voudrais tous vous inviter à un acte de foi et de prière, comme nous y invite le Seigneur lui-même. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Oui, priez, parce que le Seigneur en a besoin, parce que nous et nos communautés en ont besoin, parce que moi, votre évêque, j'en ai besoin. Priez pour soutenir ceux qui se mettent en chemin et qui commencent à répondre. Priez en acceptant que Dieu appelle des jeunes de nos familles et pas seulement de la famille d'à côté. Et vous qui êtes plus jeunes, qui êtes en construction, en période de choix ou d'orientation de votre vie, priez en demandant au Seigneur à la manière d'un jeune comme vous. Marcel Calais, qui est mort à 20 et quelques années. Seigneur Jésus, dans le peuple immense de tes disciples, j'ai une place, moi aussi. Elle est unique, irremplaçable. Je sais que tu m'appelles à vivre dans ton alliance, à ma manière, telle que je suis, avec mes qualités, mes limites aussi. Déjà, quand je décide de te donner un peu de mon temps dans la prière, quand j'essaie de me faire un cœur accueillant aux autres, de faire un geste de paix ou de pardon, tout au fond de moi, parfois, je suis heureux. Et cette joie-là, personne ne peut me l'apprendre, car elle vient de toi, de ton esprit. Aide-moi, Seigneur, à découvrir de mieux en mieux, jour après jour, la place que tu aimerais me voir jouer dans le peuple de tes disciples, pour le bonheur de tous. Amen.
Saint Curé d'Ars disait « Sans le Saint-Esprit, les martyrs seraient tombés comme les feuilles des arbres. » Le Saint-Esprit est une force. C'est lui qui soutient et entraîne les témoins. Appelons sur Franck. Appelons sur notre Église diocésaine le don de l'Esprit-Saint. Oui, je le veux. Veux-tu célébrer
avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. Oui, je le veux. Veux-tu implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui t'est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Veux-tu, de jour en jour, punir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et te consacrer à Dieu avec nous pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Franck, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur Franck les dons de son esprit. Thank you.
Seigneur notre Dieu. Répand la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Franck, que nous te présentons pour qu'il soit consacré. Assure-lui toujours la richesse de ta grâce, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministres à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tâche. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité. Et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous le coopérateur dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant. Donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même l'esprit de sainteté. Qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'il incite à la pureté des mœurs et par l'exemple de sa conduite. Qu'il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il soit avec nous un fidèle intendant de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'il implore ta miséricorde pour le peuple qui lui est confié et pour l'humanité tout entière. Alors, toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a confié,
consacrée par l'Esprit Saint et remplie de puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Franck, reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Aie conscience de ce que tu feras. Imite dans ta vie ce que tu accompliras dans ces rites et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. Je suis
C'est la foi de ton baptême, la foi de notre baptême, la foi des apôtres, que tu es appelé à servir. Tu dois en témoigner, l'annoncer en vie. Ensemble, proclamons cette foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger pour l'enseignement. Je crois au Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous. Pour faire un disciple, pour faire un apôtre, pour faire un prêtre, mon Dieu, que c'est lourd. L'Église est exigeante et patiente pour que les prêtres dont elle a besoin soient formés. 7 ans, au minimum. Et puis, ce n'est pas fini. Il faut accompagner les jeunes prêtres et puis les moins jeunes. La quête est faite maintenant pour la prise en charge de la formation permanente des prêtres du diocèse. Et d'autres choses dont il faut prendre soin pour leur permettre de vivre ce ministère jusqu'au bout, jusqu'au terme de la route. D'avance, je vous remercie pour votre générosité. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple, aide-les par la grâce de cette Eucharistie à t'offrir le sacrifice que tu attends des hommes et à faire grandir ainsi le corps du Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. En te rendant grâce, il le bénit.
Que ton règne vienne,
Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, thank you.
concluons notre prière. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur, en te l'offrant et en y communiant. Qu'elle soit la force de tes prêtres et de tous les membres de ton Église, qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le ministère que Franck a reçu, c'est un ministère que le Christ a confié à ses disciples. Et sur la croix, il s'est adressé aux disciples bien-aimés en lui disant « Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. » Alors confions ensemble le ministère que Franck vient de recevoir à celle que le Seigneur nous a donnée pour mère, sa propre mère. À continuer à les accueillir. Mais non, mais c'est vrai, c'est important.
de savoir qu'en séminariste, qu'il est soutenu, qu'il est accueilli par des personnes bienveillantes. Je vous remercie de continuer à prendre soin d'eux, ce sont aussi les prêtres de demain. Voilà, et encore merci à tous. C'est ce que, la seule chose que je peux vous demander, le plus grand cadeau que vous puissiez me faire, c'est de prier pour moi. Pas trop pour que je devienne un prêtre, parce que ça c'est fait, mais pour que je devienne un bon prêtre. Merci à tous. Merci aussi aux équipes de la cathédrale, aux chanteurs, aux musiciens, à ceux qui nous permettent, juste après cette célébration, de partager un verre d'amitié et de fraternité. Vous le vivrez tout en veillant à ne pas trop vous serrer les uns contre les autres, puisque vous savez que quand on boit, on enlève le masque. Alors, les uns les autres. Je te remercie, Franck, d'avoir répondu à l'appel du Seigneur et celui de l'Église. Par l'engagement de ta vie. Il me reste maintenant à dire publiquement ce que la plupart savent déjà. Franck, tu es nommé dans le secteur de Dourdan, prêtre solidairement responsable avec les autres prêtres du secteur, sous la conduite du père Pascal. Pascal, Louis, Joël, voilà, tous les trois. Et vous, frères et sœurs du secteur de Dourdan, qui recevez Franck comme disciple du Christ avec vous et prêtre pour vous, n'oubliez pas que ce qu'il est par sacrement, il a encore à le devenir. Alors je compte sur votre accueil, je compte sur votre attention, je compte sur votre soutien pour l'aider à vivre les premiers pas dans l'aventure du ministère presbytéral qui est une belle aventure. Franck, en de nombreuses occasions, le ministère des prêtres est aussi un service de réconciliation. Aussi, je te donne les pouvoirs de confesser, les pouvoirs de donner le don, par-delà le premier don, le pardon de Dieu à ceux qui le demanderont. Enfin, vous le savez, nous sommes en synode dans le diocèse d'Évry. La situation sanitaire a entravé, à freiner notre démarche synodale. Mais il n'est pas trop tard, puisque nous pouvons plus facilement nous réunir. Alors j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à prendre leur part à cette démarche synodale en participant ou en suscitant là où ils sont une équipe de 4 à 8 personnes qui se réunira en septembre et octobre, 2 mois, 8 semaines, pour discerner, pour consolider, pour choisir et proposer les chemins que notre Église diocésaine devrait prendre pour évangéliser, pour prendre soin dans la vie. Est-ce qu'il y a d'autre chose que j'oublie, Martial? Grégoire, c'est bon. Alors, nous sortirons par la porte du haut, et c'est là que nous attend le verre d'amitié. Vas-y, vas-y. Il n'avait pas son papier, alors. Non, c'est venu pendant la messe. J'attendais juste à vous expliquer la phrase d'ordination et l'image choisie. Je suis le bon berger. Alors, je ne faisais pas référence à moi en disant ça, je faisais référence au Christ, parce que c'est lui le bon berger. Et j'espère vraiment être à son image. Et le Christ qui recueille une brebis qui est en train de tomber, c'est à la fois moi, c'est à la fois vous, et le Christ
Et le Christ, j'espère vraiment être comme lui et pouvoir justement retenir les gens. Le Seigneur soit avec vous. Soutiens toujours de sa grâce pour que tu accomplisses fidèlement ta charge de prêtre. Amen. Qu'il fasse de toi au milieu du monde un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité, et un fidèle ministre de la réconciliation. Amen. Qu'il fasse de toi un vrai pasteur chargé de donner d'elle le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Franck, et vous tous ici présents, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salle de conférence pour nous changer. Tout comme à l'entrée, il n'y aura pas de procession, grande procession.